j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Voilà. Je vous ai pas encore filmé la semaine dernière. Je devais vous faire un make-up blabla. Je vais arrêter de vous dire quand est-ce que je vous filme des choses parce que je le tiens pas. Je l'ai pas tenu parce qu'on a profité avec Mathias. D'une, Mathias était travaillé, il était d'astreinte. Donc, quand c'est comme ça, on ne bouge pas parce que s'il a appelé, il a un temps imparti pour arriver sur l'intervention de son taf. Et en plus, franchement, j'attendais un rendez-vous qui s'est passé hier pour vous faire un make-up blabla, pour vous raconter un petit peu la suite des événements pour ma part. Et du coup, j'ai eu cet entretien et j'ai un autre rendez-vous aujourd'hui. Donc, le make-up blabla, vous allez l'avoir dans la semaine. Je vous parlerai de tout ça de A à Z dans la semaine, c'est promis, dans un make-up blabla. Du coup, là, je vais me maquiller un peu avec vous parce que j'ai des petites choses à vous dire. Mais vous inquiétez pas, je vous parle de tout ça très, très, très vite. Vous aurez ce vlog aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui, je vois Justine, vous savez, ma copine que je voyais beaucoup avant, mais parce qu'elle habitait à Caen, ou au départ chez ses parents par ici, mais elle a déménagé sur Rennes, et donc c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins. Quand elle descend, on essaye de se voir, mais la dernière fois, on n'a pas pu. Donc là on passe une partie de la journée ensemble. Normalement on mange ensemble ce midi. On veut prendre des photos, mais franchement le temps n'y est pas du tout aujourd'hui. Donc on va bien voir. Je me maquille depuis 2-3 jours. C'est vrai que ces derniers temps je me maquillais pas beaucoup. D'une parce que j'en voyais pas l'intérêt puisque je reste à la maison et voilà. Et quand vous n'avez pas forcément le moral, c'est pareil, on a du mal. Je vais faire un contouring avec ça. Comment? Il faut absolument que j'arrive à vous faire, vous savez, sur YouTube, j'aimerais vous faire un short. Enfin, j'aimerais. Ce sont des vidéos courtes, un peu style TikTok, Instagram, etc. Mais sur YouTube. Parce que maintenant, les partenariats Chine, donc je ne suis pas rémunérée quand je suis en partenariat Chine, je reçois les produits gratuitement, ce qui est déjà vraiment pas mal. Hein. Mais maintenant, ils aimeraient une vidéo, comme je vous fais, quoi, une vidéo présentation, plus minimum un short. Mais moi, les shorts, les vidéos courtes, là, c'est pas du tout... Enfin, je suis nulle. J'ai des idées, mais... comment vous dire? Je pense que tout ce qui est très court, style... style TikTok, tout ça, franchement, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas dans l'air du temps, quoi. Je suis pas vieille, hein, j'ai que 36 ans. Mais c'est pas du tout dans mon... C'est pas du tout... C'est pas inné, quoi. Les vidéos YouTube, tout ça, ça va, ça passe. Mais le reste, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je vais mettre sur ma tronche. Je vais mettre ça. Où ça? On va mettre ça. On va tester ça. Hop. C'était chez Action, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pareil, ça fait une éternité que je suis allée chez Action. Et pourtant, j'aurais bien 2-3 petits trucs à acheter. Mais on va attendre. Faut que je rachète une gamelle pour le chat. Je passe du coq à l'âne, hein, de Chine au chat. Faut que je rachète gamelle pour les chats. Parce que, vous savez, maintenant, on le met en hauteur pour pas que Urus... J'espère que ça fait pas trop bouger mon make-up, ça. Donc, ouais, on met ça en hauteur pour que Urus ne bouffe pas les croquettes. Bon, ça le fait.
Et ils les ont fait tomber. Donc, il faut que j'en achète. Là, c'est dans un bol, mais j'aimerais garder les bols pour moi, quoi. J'aimerais acheter un tapis antidérapant pour la baignoire. Pas pour nous, mais pour eux, quand on lui fait une douche. On lui en a refait une la semaine dernière. Et il glisse énormément, donc il faut que j'achète ça avant qu'on le blesse. J'aimerais une poubelle pour ici. Ça fait plusieurs fois que je me dis, Bérénice, il faut que tu achètes une poubelle. Mais Bérénice, elle n'achète pas la poubelle. Je pense que je vais mettre un petit blush poudre. C'est le rocateur de chez Benefit. Il est vieux comme Hérode. J'en ai pratiquement plus. Hein. Mais j'aimais trop celui-ci. Hop, faudrait que je regarde sur... sur comment ? Sur Vinted, si quelqu'un le vend. Hop. Donc voilà. Donc Chine, il faudrait que je vous fasse un short. Parce que si je ne leur fais pas de short, ils me disent que je ne peux pas refaire tout de suite de sélection. Mais moi, j'aimerais bien refaire une petite sélection. Bien sûr, je peux acheter de moi-même hein, si je veux. Mais on va pas se mentir, un partenariat, c'est plutôt sympa. Donc, je vais tenter cette semaine de faire tout ça. Je voudrais vraiment me remettre à jour d'une, parce que bah, Justine, elle vient. Donc, je voudrais profiter que Justine soit là pour faire des photos sur Insta. Parce que franchement, je ne vous poste plus rien à part en story. Suivez-moi hein, sur Instagram, parce que des fois, je vous mets des petites choses en story. Donc, ça peut être intéressant. Et mais sinon, en poste, j'aime bien, moi, vous mettre des photos, tout ça. Donc, voilà. Je sais pas trop quelle heure il est. 28, ça va. J'ai rendez-vous téléphonique à 10h. Et avec Justine, on se voit à partir de 11h. Je ne sais pas où on va aller faire des photos. Il y a un ou deux lavoirs auprès de chez nous. Donc, on va bien voir. Je veux que ce soit léger, quand même, mon make-up. Ce mascara de chez Martine que Alexa m'a offert, il est trop bien. Il est bientôt fini. Donc, vraiment, ça, c'est une marque Martine Cosmétique. Pépite. Je crois en plus qu'elle est en train de nous préparer des produits teints. J'ai vu sur Instagram hier. Donc, voilà. Sinon, depuis les quelques jours que je ne vous ai pas pris, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense, je ne sais plus si vous avez vu ou pas. parce que je crois que je vous ai tourné deux, trois petites choses avant de vous parler. Là. Mais vendredi, on a eu une réunion Guy de Marle avec une amie à moi. C'était génial, c'était top. Franchement, j'ai passé une super soirée. Et en plus, ça m'a redonné l'envie de cuisiner, de vous faire des recettes de ouf. Parce que j'ai acheté deux, trois petites choses. Je m'étais gardé un petit budget pour cette réunion. Et franchement, je suis trop, trop contente. Donc, j'ai hâte de vous faire des recettes. On va parler recettes d'ailleurs, attendez. Toujours pareil, Martine. Donc ouais, on va parler recettes. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais vous faire une vidéo et tout. Et j'arrive pas. Il faut vraiment que j'arrive à bien cadrer. C'est pour mes cheveux. Mais et je prenne le temps. Je l'ai le temps. C'est... en fait, j'ai peur de plus du tout vous intéresser. C'est drôle, hein. En ce moment, j'ai plein de craintes comme ça. Entre la suite des événements pour ma part, école ou pas école, je suis stressée. Même dans ma vie et tout, d'habitude, je ne stresse pas pour tout ça. Là, je suis stressée. Donc, c'est pas évident, évident, on va dire. Je ne sais pas quelle boucle d'oreille mettre. On va y avoir après. Donc, les vidéos recettes vont revenir. Je vais vous en coller aussi dans les vlogs. Parce que vraiment, ça m'a redonné l'envie de recuisiner et tout. J'avais perdu là... Depuis 15 jours, 3 semaines, j'avais vraiment tout perdu. Hein.
La confiance en moi, déjà, je l'ai perdue. Mais j'en parlerai pas ici parce que franchement, les commentaires de merde, j'en peux plus. Mais voilà, j'ai perdu plein de. Voilà, je pense que c'est le fait d'être au chômage, de plus avoir la même sociabilisation que j'avais avant. J'ai de la chance hein, d'avoir Mathias, puisque il me complimente et tout sur plein de petites choses, mais. Je sais pas si vous voyez dans quel état je peux être. Je pense que on passe tous par une petite phase comme ça. Et là, c'est ma phase. C'est pour ça aussi que je me maquillais plus. Mais je me dis, remaquille-toi. Je me plais quand je suis maquillée. Voilà, je trouve que je suis jolie. Je sais que j'ai repris du poids depuis que je suis au chômage. Il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose. Mais bon, bref, ça, j'en parlerai pas non plus parce que. Merci les commentaires. Bref. Donc voilà, un petit peu le truc. J'ai un peu blablaté là, mais il le fallait, tout en sachant que j'en reviendrai avec un make-up blabla dans la semaine, pour vous raconter plein de petites choses très très intéressantes et très positives. Ça aussi, ça m'aide en fait. Je reviens également pour vous parler des 5 ans de Nox. Vous avez le droit d'habitude à moins 15%, et là, jusqu'au 30 mars, vous avez le droit jusqu'à moins 25%. Je pense que c'est le plus gros code promo qu'ils nous ont donné. Donc moi j'ai fait une petite sélection. Avec mon code promo, mon lien qui est en barre d'infos, mon code promo, etc. Je touche une petite commission qui est de 10 ou de 15%, je ne sais plus, 10% il me semble, de vos achats. Vous, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me rapporte un petit peu. Moi, les parfums Nox, maintenant, ça va faire, je crois, si ça ne fait pas 5 ans, ça fait 4 ans que je suis en partenariat avec eux. Et franchement, je les aime beaucoup. Tout mon entourage les kiffe. Et pour vous dire, là, dans les 4 que j'ai sélectionnés, il n'y en a que un pour moi. Donc là, pour leurs 5 ans, vous avez le droit à moins 25% et non 15%. Vous avez le droit à un petit bijou en acier inoxydable pour toute commande. Donc moi, ils m'ont envoyé celui-ci, très joli, en doré. Très sympa. Et ils ont glissé aussi dans quelques petites commandes un chiffre 5 qui vous donne droit à une carte cadeau de 50 €. C'est Gugus que vous entendez. Donc, si vous êtes l'heureuse chanceuse ou l'heureux chanceux d'avoir un petit numéro 5 dans votre carton de commande, vous avez le droit à une carte cadeau de 50 €. Franchement, c'est trop trop cool. Donc, moi, je vais vous dire ce que j'ai pris. Je ne vais pas les sentir, je vais juste vous montrer le packaging parce qu'ils ne sont pas pour vous. Donc, j'ai pris le 24,99 qui est le Alien Goddess. Vous savez, c'est le Alien doré. Donc, Nox, ils font des équivalences. Ce ne sont pas des contrefaçons. Ce sont des équivalences. Et ça se présente comme ceci. Ceux-là font 50 millilitres. Vous avez le chiffre qui est juste écrit ici. C'est vrai que c'est dommage. À chaque fois, il n'y a pas le nom du parfum. Donc, sur le site, si vous cherchez votre parfum, soit vous allez dans leur liste d'équivalences, soit vous tapez le nom du parfum dans la barre de recherche de Nox. Et ils vont vous donner le numéro. Donc le 24,99, c'est le Alien Goddess. Le 204, j'ai pris pour mon papa, c'est le Sauvage de chez Dior. Hop. Et pour les hommes, le bouchon maintenant, il est noir. Avant, il était argenté. Mais noir, j'aime trop. Donc pareil, c'est un 50 ml. Et celui-là, je l'ai déjà pris, repris et re-repris, que ce soit pour mon père, pour Mathias, pour mon frère également. Et franchement, il sent vraiment le sauvage. Ma maman m'a demandé le 073, le Alien. Celui-ci, comment vous dire, que je l'ai déjà senti maintes et maintes fois. Pour les femmes, vous voyez, le petit bouchon, il est rose. Et celui-ci, il sent vraiment le Alien. Ils ont une tenue, franchement, hyper satisfaisante. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir qu'ils ont une tenue comme un parfum que vous achetez en parfumerie à 100 €. Moi, mon Alien, je le mets ce matin. Demain matin, je sens encore le Alien. Mais le Nox, je le mets ce matin, ce soir à 20 h, 21 h, je sens encore. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Et pour moi, je me suis pris le 494. J'ai une copine qui met ce parfum-là et j'avais trop envie de le tester. C'est le Mon Guerlain qui est comme ceci. Donc, on va le mettre aujourd'hui. Oh, il sent bon. Oh, ça sent trop bon. C'est très, très léger et en même temps, j'ai vraiment l'odeur d'un parfum féminin, quoi. Ah, j'aime beaucoup.
Donc, ça, c'est le Mont-Guerlain et c'est le 494. Donc, n'hésitez pas vraiment jusqu'au 30, moins 25%, c'est plutôt chouette. On n'a pas toujours moins 25%. La fête des mamans, je ne sais plus trop quand est-ce que c'est. Mais écoutez, si vous avez le budget maintenant, n'hésitez pas à anticiper vos cadeaux de fête des mères ou alors tout simplement vous faire plaisir. Ça, c'est trop cool également de se faire plaisir. Moi, je vais mettre mes boucles d'oreilles, je vais aller voir mon Gugus. Je vais passer un petit coup d'aspirateur et après, je vais attendre mon rendez-vous téléphonique et je vous reprends avec Justine. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, me revoilà en guest. Coucou. Justine. Bon, il fait pas très beau. On est à Brévent. Vous savez, je vous avais déjà emmené avec Urus, même avec Justine, je vous avais déjà emmené pour faire des photos. Mais il fait pas beau. Hier, il faisait beau. Bon, j'ai l'impression de faire 1m50 à côté du... Ah, ça fait du bien des petites journées comme ça. Et toi, t'en voulais des photos? Non, bah là, avec la tenue bleu sur bleu, je vais pas ressortir. On a emmené une valise avec des fringues chacune. Attention de pas la glisser. Oui, maman. Donc, je vais me remotiver sur Instagram. Il le faut. Là, c'est une très jolie tenue avec ton manteau comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, me voilà après cette petite journée avec Justine. Je ne vous ai pas montré, Justine m'a ramené mon cadeau d'anniversaire. Donc, je suis du mois de janvier, mais bon, je n'en veux pas. Hein. Même elle aurait rien pris, c'était pas grave. Mais on ne s'est pas vu depuis Noël. Donc, et c'est vrai qu'à chaque fois, on se fait un cadeau à nos anniversaires. Donc, chez Lush, elle m'a pris mon Jasmine N. Enab. Vous savez, c'est le soin capillaire, c'est le soin que vous faites avant votre shampoing. Donc, dedans, il y a du henné, donc parfait pour mes cheveux. Ne prenez pas ça quand vous êtes blonde, c'est un conseil, c'est du henné rouge. Il y a de l'huile de noix de coco, noix de Brésil et chanvre, particulièrement recommandé pour les cheveux châtains, bruns ou roux. Et franchement, j'aime tellement l'odeur. Mathias déteste l'odeur. Mais moi, j'aime trop. Un pot, franchement, ça vous dure plutôt pas mal de temps. Il est bon jusqu'en 2025. Donc, j'ai le temps. Et elle m'a pris une petite nouveauté. C'est le Charisma. C'est un rehausseur de teint. Donc, soit vous l'utilisez en highlighter, soit vous l'utilisez avec votre crème de jour pour donner un petit glow à votre... à votre teint. Il n'y a plus, vous savez, là. Parce que j'ai enlevé, il faut que j'en remette un, le verre trempé, puisque il était cassé. Et c'est ça qui donnait cet effet flou. Et donc, ça se présente comme ceci. Mais vous n'allez pas voir, il y a plein de petites paillettes dedans. Vous n'allez rien voir. Mais je l'utiliserai avec vous dans une prochaine vidéo. Je vais clôturer le vlog, il est 10h moins quart du soir, donc je ne vais pas vous le mettre ce soir, mais je vais vous le mettre demain matin en ligne, et puis j'en reprendrai un. Demain, j'ai rendez-vous esthéticienne pour me faire épiler au niveau du visage. Je devais faire mes ongles également demain, mais mon esthéticienne, c'est pas possible. Elle m'a décalé mon rendez-vous à samedi 14h, bon, c'est pas très grave. Hein. Oui, Bibi, il y a un problème. Vous savez ce qu'elle a? Elle veut que je lui allume le robinet. Donc oui, je vais te l'allumer. Parce que ici, Bibi, c'est la princesse. Il faut absolument qu'on lui achète une fontaine. Donc voilà, bref. Donc oui, elle me prend samedi à 14h. Mais je vous prendrai après dans un nouveau vlog, etc. Et je ne sais pas ce qu'on fera dans le prochain vlog. Mais j'aimerais bien faire une ou deux petites recettes. Pour finir un peu le frigo. Donc voilà.
Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bisous tout le monde.